Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Toxor. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode durant le Tour de France du mode Pro Cycliste. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer un sondage dans la fiche de la vidéo en haut à droite donc de cette vidéo. Il y a un petit truc qui est, qui est ouvert. Vous pouvez cliquer dessus pour voter. C'est très important. J'ai besoin de votre avis. Donc, souhaitez-vous que le mode Pro Cycliste perdure pendant tout l'été? jusqu'à début septembre, c'est-à-dire ben, tous les jours euh, à 13h pendant tout l'été, ou si vous vous souhaitez pas, donc vous votez non, non je ne souhaite pas et cette série sera ben, une série ponctuelle qui sera en deux ou trois épisodes par semaine, voilà. Donc soit <coughs> à 13h tous les jours si vous votez oui, soit non je veux pas cette série tous les jours et ça sera donc 2 deux à 3 fois par semaine à des horaires genre 18h ou 19h. À vous de choisir, à vous de me dire quel, quel profil de vidéo vous intéresse le plus. Je ferai un petit récap bien sûr dans le sondage et dans la description pour euh, expliquer ça correctement. Je compte sur vos votes, je vous remercie. Et on va donc continuer le tour de Grande-Bretagne qui est un petit peu notre dernier grand, grand euh, rendez-vous avec la Coffee10. On va voir un petit peu euh, ce qui, ce qui s'y prépare. Donc, tour de, Grand, de Grande-Bretagne avec la Sky favori. Forcément, Christopher Froome est là. Il ne participe pas à la Vuelta qui a lieu en ce moment. Donc, euh, regardez la Vuelta. Ils sont déjà à la 16e étape. On va même regarder si vous voulez le... faut un petit peu où ça en est de la, de la Vuelta. Ça peut être intéressant. Résultat Vuelta, Vuelta. Vuelta à l'Espagne, hein. Euh, le général, c'est Emar Zubeldia qui est à 2 secondes de Michael Landa. Contador lutte à 39 secondes et Samagnette à 59 secondes. Ça va être une très très belle Vuelta, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il y a un sacré, euh, sacré truc pas mal dans cette Vuelta. Notre coéquipier Navarro est là, en 17ème place, à 7 minutes. Bon, il est assez loin en général. Alors le tour de Grande-Bretagne, on y retourne. Un petit truc juste avant, donc celle-là. Ouais, ça va monter sec sur cette, sur cette étape. Il y a des petits radars bien intéressants. 215 km en plus, ça va être dur. Je suis pas du tout en... Voilà, j'ai une forme moyenne. J'ai un rythme moyen. Je suis pas super... Euh, voilà. Je suis pas super euh, bon. Regardez la barre est vers le bas. Bon, tant pis, on va essayer de faire on va essayer de faire avec. La fatigue est là de toute façon. On va essayer de bien de faire une, une belle étape. On est parti pour cette nouvelle étape. Tape qui à mon avis ne veut pas vraiment sourire à Nasser boigny hein. je pense pas parce que ça va être assez costaud là l'arrivée, regardez, il y a quand même allez, deux murs, trois murs si on compte l'arrivée à, à gravir. Ça va être très difficile les pourcentages vont être épiquissimes dans cette étape euh, sur les petits euh, sur les petits comme ça. Ça risque de faire beaucoup de dégâts et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, euh, Caleb risque de perdre son maillot. Comme d'habitude, hein, pour ma part, euh, mon objectif principal sera le maillot blanc. Ensuite, pourquoi pas le maillot de, de leader, euh, du général, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le maillot blanc est vraiment mon, mon objectif principal sur ce, sur ce tour de Grande-Bretagne. Vraiment j'y tiens. Je vais vraiment être le meilleur jeune. On approche d'une des dernières difficultés du jour. Mais attention, pas des moindres. Attention, c'est vraiment une des plus dures difficultés du jour finalement. Avec euh, bah, des passages euh, au-dessus des, des 10%. Ça va être très compliqué. On est à 22 km de l'arrivée encore. 23 un peu plus. Donc euh, là, ça va ça va faire très très mal. La Sky euh, se repositionnée à l'avant du peloton. Très certainement pour positionner frome dans de très bonnes conditions. Voir que c'est Sergio Enao qui s'occupe de lui. Attention, ça va peut-être sortir là dans, dans, dans cette bosse. Hein. Ça m'étonnerait pas que ça sorte ici. Je ne serais pas forcément étonné. Pérez encore, encore à l'avant. Et ça sort. Hein. J'ai l'impression qu'il y, y a des attaques là. Oh, attaque de, de Vals. Attaque de Raphaël Vals. Ce qui, qui s'y donne. Il est à fond, Raphaël. regardez, c'est des pourcentages sur 12% là, c'est très très dur là. On laisse pas Katoski sortir. D'accord, c'est Katoski qui va sortir là. Lors de question qu'on le laisse sortir, Miral. Ah j'ai vraiment du mal. J'ai pas d'accélération, il vaut peut-être mieux que je reste assis sur la selle et que je force sur les pédales. Parce que si je commence à, à faire ça, hop. Là par contre je peux essayer de revenir comme ça. Et peut-être même de les piéger. Piéger la sky. Dans ce genre de, de petites circonstances-là, ça peut peut-être fonctionner. On n'est pas échappé, on n'est pas échappé, on va, on va se calmer. On va se recalmer, on va se prendre un contre, sinon, ça va nous faire tout drôle. La Sky qui, qui bosse pour, pour Miral Katowski. C'est pas étonnant. Et Raphaël Valls qui, qui va en remettre une. Raphaël Valls est, est en forme. Il est en forme. Ça y va, ça y va, à fond la caisse. On va essayer de se calmer un petit peu. Je vois que la barre bleue a pris une belle claque. Elle ne sera peut-être pas suffisante pour assurer la prochaine ascension. Prudence. Beaucoup de prudence là. Il faudrait se faire monter un peu cette barre là. fait flipper la le deuxième col encore là encore des pourcentages noirs certes un peu moins dur moins long rafael Weiss qui va on va essayer de le suivre oh, c'est dur ça, ça sert à rien qu'on se sou... ça sert à rien je l'ai dit tout à l'heure on va pas non plus euh... se mettre dans le rouge on, on est même, même Nasser Bonny va plus que nous. Ah non, non là, là c'est, là on n'est pas en forme. On n'est pas en forme, on n'est pas en forme, on n'est pas en forme. On ne passe pas, on passe pas la bosse correctement. On va finir euh, très loin. Grosse désillusion sur ce tour de Grande-Bretagne. On, on le finit, on, on, va, on va pas être bien. On n'est pas dans le rythme de course, on n'est pas bon. On a bien vu l'ascension là, t ça nous a soulevé complètement. Beaucoup trop dur. Ce petit passage là. L'enchaînement, euh, on, on, on l'a pas bien vécu. <laughs> on a pas bien vécu l'enchaînement là. On finit à tarder. On va prendre du temps aujourd'hui. On va prendre du temps. On prend, on prend deux minutes. Hein. Ouh on fait, on, fait, on fait 19ème. On prend pas loin des 2 minutes 30, 2 minutes 40 il me semble. Oh, C'est une journée noire là. Même Nasser Boigny finit devant nous. C'est pour dire à quel point euh, on, on était mauvais dans cette ascension. Ça a été, euh, ça a été difficile. Hein. Ça a été difficile. Là, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et 14 qui va finir très bien. Je ne vais pas regarder le résultat de la course. Attendez, on va retourner. On finit à. à, à, à. 2 minutes 15, 2, 15 de perdu. Et c'est toujours One hein, le, le leader. Oh là là. One qui n'est pas un grimpeur a passé cette bosse de la meilleure des façons. Étonnant. Ah, il est bon en ballon, il est meilleur comme en ballon. Hein. Moi j'ai 69, il a 72. Il était peut-être en forme. On va ah, peut-être pas non plus l'oublier. On va se diriger maintenant sur le compte la montre, espérant qu'on puisse rattraper quelques petits trucs. Sur le chrono, je ne sais pas s'il est très long. S'il est long, ça. Ah, 16 km, c'est pas assez suffisant, j'ai envie de dire. C'est pas assez. C'est pas assez suffisant, je pense. On verra le début du chrono. On partira 83e. On est deuxième de l'équipe. C'est même Boigny qui est devant nous alors que c'était une étape pas faite forcément pour un sprinter. Bah Boigny a parfaitement négocié la, la dernière bosse. C'est vraiment étonnant, de venant de sa part, d'avoir bien négocié ce, ces deux radars. Enfin, étonnant de sa part, non, parce qu'il passe plutôt bien les boss, mais de là à le voir avec des katoski avec des Froome, avec des... Euh... Enfin voilà quoi, ça m'étonne. Bon, vous me direz même KDB one a, a bien passé le truc, hein, donc euh, ça me paraît logique. Est-ce qu'on va pouvoir prendre du temps sur ce genre de, de chrono A priori, oui. Hein. Regardez, a priori, le premier a déjà mis une minute au dernier, au vingtième, par exemple. Il y a moyen peut-être de prendre beaucoup de temps sur un chrono comme celui-ci finalement. Franchement je sais pas, on verra. Ah, peut-être pas autant de temps sur les leaders, parce qu'on est tous à peu près bons contre la montre à arriver à un niveau. Mais euh, c'est vrai que quand on voit qu'il y a quand même 24 secondes, c'est pas mal. Hein. C'est des sacrés écarts qui peuvent déjà se faire. Prendre un peu de temps et en plus on est on en bonne forme finalement, puisque on est en train d'augmenter le rythme de course là. Donc forcément, on est revenu un petit peu... Euh correctement euh, sur, euh, sur de bonnes bases. Donc euh, ça va être vraiment à suivre, je pense, ce chrono. Assez important pour le tour de Grande-Bretagne. On verra, on verra, on verra comment ça va se, se conclure. Donc c'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. Et moi j'ai fait accélérer, je ne sais pas pourquoi. Euh, on va continuer comme ça. Barre bleue, barre de courte, barre jaune. Barre d'énergie. On va essayer de... Pas non plus trop tirer dessus, ça serait un peu bête. Parcours assez plat. Euh, quelques petites bosses. Enfin, quelques légers faux plats montants. Par endroit. Rien de bien compliqué, je pense. Donc là, j'ai mis la barre bleue devant la barre jaune. Ce qui est plutôt pas trop mal. J'ai moins un en forme... J'ai moins 1, je suis pas, je suis pas le meilleur en contre la montre. Là. On arrive en dessous. Alors, on est à combien On est 23ème pour l'instant, à 15 secondes. C'est pas forcément un très bon temps pour l'instant. Mais c'est pas très grave. On va bientôt rattraper l'Osada. La Sarbonnière de ce côté est partie. On accélère petit à petit avec ce beau maillot de champion de France, regardez. Ça, ça fait plaisir. Petit privilège de porter ce maillot sur les chronos qu'on aime, en plus on affectionne particulièrement ça avec notre coureur. Les chronos. Quelque chose de subtil, d'intéressant. Allez, c'est bien, on est plutôt bien là. J'ai l'impression. On oh, va bien terminer, j'ai l'impression, ce chrono. À euh... moins que. Peut-être un petit peu trop. Euh... Trop présomptueux de mes forces, peut-être. Ah, c'est sur l'arraché. Non, je, me suis... je suis un petit peu parti vite, j'ai l'impression. Je me suis un petit peu trop lâché sur la fin du parcours. Allez, 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 allez. Sixième. Sixième temps. Bien sûr, quand derrière il y aura des Katoski qui vont arriver, des Froome, on va, on va se faire totalement euh, maraver. Ah, Miral Katoski, premier temps. Miral Katoski, premier temps. 50 secondes. Il m'a mis sur ce chrono. On a Hurt qui arrive. Est-ce qu'il va faire un bon temps? 22e. Kort Nielsen. Il enfin, faire un bon temps, lui. 20e. Nasser Boigny. Nasser Boigny. À l'arrache. 30e temps. Ouh, Mersman. Ouh, Mersman. Ouh, Mersman. Troisième temps. Troisième temps pour Mersman. Matteo Talentin. 9 temps Matty Brescher. le Danois de la Cannondale Il va pas faire un bon temps Il va pas faire un bon temps 40e temps Oh attention à Cataldo qui est en train de tout péter là Taro Cataldo Café 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 le 16e temps Winning un bon temps je pense pour lui ça m'étonnerait qu'il fasse 9 Neuvième 9 temps Waterpulse Attention, ah, il va pas faire un bon temps votre pulse. Oh par contre d'ailleurs c'est Enao fait bon temps. Enao fait bon temps. Très bon temps pour Enao je pense. Septième temps. Septième temps pour Enao. Chavez. Non c'est pas ça pour Chavez. Il a pas fini dans le rythme. Chris Room, Chris Room, Chris Room. Peut-être le meilleur temps pour Chris Room. Troisième temps. Troisième temps. Je suis dixième du général. Un Bonzi. Ponzi, pardon, un Ponzi, non, c'est pas sa tasse de thé le chrono. Perdre du temps aujourd'hui. Ponzi, il fait, il fait ça. Oh, attention à Kale -Kale il aime bien peut-être le chrono lui. 21ème temps. Eh bien, on fait 10ème. Top 10, meilleur français. Meilleur français. Emiral qui est premier donc. C'est pas étonnant. Bon, on n'intègre pas le top 10 malgré un, malgré un bon chrono de notre part. Euh, hop, on est 16ème toujours au général. Ça va être dur d'avoir le meilleur, meilleur meilleur jeune, je pense. Ça va être très très compliqué. Je ne sais pas quelle étape il y aura par la suite. On va regarder ça ensemble. Quatrième étape. Ah, Ça peut peut-être le faire. Mais ça sera pour la prochaine vidéo, les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Ça m'a fait très plaisir. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. Salut tout le monde, bye bye